17h30 sur France Inter avec Thibaut Soulcier et un autre caricaturiste dans le fond. C'est Aymeric Lombray. Bonjour à tous, vous allez bien? Ouais. Eh, j'ai rien entendu. Ouais, 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 super les zouzous. Alors, bon, cette semaine, je vous le jure, je voulais vraiment faire une chronique sur l'actualité, hein, parce que l'actualité, elle est chargée. En plus, je sais, voilà, que tout le monde attend mon point de vue pour faire une opinion. Hein, les gens, ils sont là chez eux. Mais qu'est-ce qu'il va dire, Aymeric? Mais qu'est-ce qu'il va dire? Tu crois qu'il en pense quoi de ce satané virus? Bah, sûrement qu'il trouve que c'est pas terrible. Ouais, c'est vrai, t'as raison. En même temps, on peut pas trop se projeter, on n'est pas dans ta tête de zinzin. Eh, tu sais qu'il joue à l'Européen à Paris le 14 septembre. Mais non, je savais pas, il le dit pas. Ouais, il est tellement humble. Ouais, c'est clair, pas comme Guillaume Meurice qui met des photos de lui en noir et blanc sur Instagram pour coucher avec des mineurs en utilisant des branchages pour leur... Oh, oh, oh! Excusez les fans, là. Allez, oh, chronique, c'est parti, chronique actualité. Bon, j'ai pas de chronique, non. J'ai... Bah non, mais au début, je voulais vous faire celle de la semaine dernière, mais je me suis dit que vous allez vous en souvenir. Et non, mais ça fait 4 jours, en fait, je suis en gueule de bois. Et j'étais à un mariage le week-end dernier. C'est trop bien, les mariages pour baiser. J'ai baisé une demoiselle d'honneur, j'ai baisé une serveuse et j'ai même baisé la mère de la mariée. Bon, résultat, j'étais éclaté pour ma nuit de noces. Putain. Eh oui, parce que je me suis marié. Ah ah, je vous l'ai pas dit pour pas vous inviter. Mais voilà, j'aime bien les mariages. Tu fais des jeux, tu bois, tu te refiles le Covid. En termes de cluster, le mariage, c'est juste au-dessus de la barre de métro. Mais vous inquiétez pas, j'ai rien chopé au mariage, j'avais mon masque. Voilà. Par contre, il y avait les invités et pas de masque. Ils disaient, ouais, de toute façon, je mets pas de masque pour faire chier le gouvernement. Attendez, les gars, c'est pas le gouvernement que vous faites chier, c'est les gens à côté de vous. Hein. Tu vois, moi, quand je veux faire chier ma femme, je vais pas commencer à aller sucer mes potes. Ça fera chier Guillaume, pas ma femme. Non, mais les mariages, j'adore, mais le problème, c'est qu'on a toujours le droit au film, là, sur les mariés, avec les photos de leur enfance, de leur rencontre, de leur saut en parachute, avec James Blunt en fond sonore. Putain, mais quel enfer! C'est bon, ça va, on le sait, vous êtes heureux, Kevin et Natacha. Pas besoin de nous balancer 20 minutes de bonheur dans la gueule. En fait, le mariage, c'est pas pour célébrer le bonheur du couple, c'est pour montrer le malheur des invités. Moi, j'avais demandé pas de film, pas de film. Et ben, ils ont réussi à m'en foutre un. Putain, merde. Il y avait deux photos, une où je vomis et mon selfie avec Hervé Matou. J'aurais jamais dû me marier. En plus, je sais même pas comment elle s'appelle. C'était un mariage surprise. Non, mais c'est à cause de ma religion. Je suis surpriciste. C'est une religion qui consiste toujours à faire des surprises. Et mes frères surpricistes m'avaient invité à un barbecue. Ils m'ont dit voilà, surprise, c'est un mariage. Et voilà. Et... Bon, voilà. D'accord, j'ai menti. Je me suis pas marié. Hein, j'ai rien foutu cette semaine. J'étais dégoûté en pensant aux auditeurs qui allaient dégoûter de que j'ai rien écrit. Alors ils doivent être chez eux. Mais non, mais moi qui n'a pas fait de chronique cette semaine. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir penser de l'actualité? Pff, ah, je sais pas. Moi aussi, j'ai tellement peur du vide. Une seule solution. Ouais, t'as raison. Allons le voir à l'Européen le 14 septembre à 19h30. Merci de m'avoir écouté. Aymeric Lombray, merci. Et dites donc, quand vous n'avez pas de chronique, vous êtes quand même meilleur que Bec BD. Je vous le dis.